Allez, motivation, même si c'est un peu compliqué en vrai, le dimanche. Bonjour tout le monde, bienvenue ici Jake. Vous êtes sur Iva Sound Studio, une petite chaîne associative qui fait de la radio, du gaming, mais pas que, et qui montre que les gamers savent se dépasser et pour ma part reprendre du sport parce que ça fait longtemps et je sais que j'en ai besoin. Donc, pour cette deuxième session, la première c'était samedi dernier. Cette deuxième session, on va poursuivre l'aventure Ring Fit parce que on peut très bien mêler sport et jeux vidéo. Allez, on va commencer de suite. Ah, là j'ai pas été très bon aujourd'hui. Tac, ça en passe. On a une aventure à poursuivre. Il faut poursuivre Drago qui veut. Prendre possession du monde. Espace nécessaire. Est-ce que je suis bon là? Normalement, oui. J'ai mon Joy-Con sur la jambe. Hop là. Tac. Échauffement. C'est parti. Parce qu'on ne fait pas de sport sans s'échauffer. On dit que les deux premiers jours sont les plus durs. Ah, bah, génial. Ça veut tout dire pour aujourd'hui, quoi. Tac. Comment vous sentez-vous? Vous n'avez pas trop de cours? Ah oui, sachant que normalement, c'est des choses à faire tous les jours. C'est un programme quotidien. Bon, pour le moment, on le fait de manière hebdo, une fois par semaine. Mais il est possible que par la suite, ça devienne, on va dire, régulier pendant un certain temps, quoi. Plus régulier, du moins. Est-ce que j'ai eu des courbatures l'autre fois? Oui, en vrai, oui. Donc, on va faire comme si. Attention de ne pas faire plus d'exercices que vous le pouvez. Tac, je m'avance un tout petit poil. Si vous avez de fortes courbatures, faites une pause dans votre entraînement jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Écoutez toujours votre corps et ne dépassez pas vos limites en matière d'exercice. Comment se passe l'entraînement? C'est trop facile. Non, non, non. J'aimerais monter l'intensité, j'aimerais baisser l'intensité, c'est trop intense. Il n'y a pas un juste milieu? On va laisser. C'est pas trop. Monter l'intensité, j'ai un peu peur en fait. Baisser l'intensité. C'est vrai que j'ai galéré quand même en jour 1, en vrai. Allez, oh non, on est joueur quand même. Si cela vous semble trop facile, on peut augmenter l'intensité. Ah non, mais on peut d'accord, on peut choisir pour rester là. C'est quoi l'intensité? Ah tiens, on va lui poser la question. Très bonne question, laissez-moi vous expliquer. Pour que l'entraînement vous convienne, nous devons déterminer son intensité. Plus l'intensité d'exercice est élevée et plus les efforts à fournir sont importants. Mais cela peut être intéressant de repousser vos limites petit à petit. Si vous n'arrivez pas à tenir le rythme, réduisez l'intensité d'exercice. Si vous sentez que vous pouvez en faire plus, essayez d'augmenter l'intensité d'exercice. Trouvez l'intensité qui vous correspond. Ok. Non, on va rester comme ça en fait. Allez, les étirements. En faisant ces étirements, vous gagnez. Ah, on gagne quand même de l'XP. Parfait. Voulez-vous faire. Oui, go. Commençons. Tâchez d'imiter les mouvements de Posy sans forcer. En avant la musique. Imitez les gestes de Posy. 3, 2, 1, c'est parti. Ah oui, Levez alternativement les genoux pour toucher le Rincon. Si c'est difficile, contentez-vous d'aller aussi haut que possible. Une dernière fois. Bien. L'exercice suivant consiste à monter les talons. Levez-les alternativement pour toucher le Rincon. Cet étirement peut aider à rendre vos hanches plus souples. Une dernière fois. Ça, j'ai du mal. Oui, comme ça. Passons aux étirements du dos. Mettez une jambe en avant et abaissez le bassin. En descendant, évitez de mettre votre poids sur le pied en avant. Faites en sorte de garder le bas du dos bien droit.
une dernière fois de chaque côté. Bien. Écartez les pieds et passons aux étirements latéraux. Levez le Rincon et penchez-vous sur le côté. Attention à ne pas vous pencher en avant. Cet exercice étire les muscles latéraux et ceux des bras. Une dernière fois de chaque côté. Beau travail! Allez, maintenant c'est l'heure du jeu vidéo. Oh génial, j'ai un titre. Résumé de l'histoire. Vous avez battu Drago, mais celui-ci a utilisé ses dernières forces pour fuir vers le pays d'à côté. Alors qu'il continue de s'entraîner, son aura maléfique ne cesse de grandir. Il faut l'arrêter. Ce sac à muscles de Drago est donc bien là-bas. Il y a un exercice à plus à en faire aujourd'hui. On le voit sur la map. Ah, vous m'avez eu tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est fini. Vous n'arriverez jamais jusqu'ici. C'est ici qu'a grandi Drago, les contrées nocturnes, une région où le soleil ne se lève jamais. L'obscurité a un effet excitant sur les monstres, soyons prudents. Choisissez un chapitre. Appuyez machin pour ouvrir le menu du jeu. D'accord, on peut refaire n'importe quelle zone. D'accord, ok. Sauf que moi, l'idée, c'est de le faire dans l'ordre. Allez. Niveau 6. Ah non, c'est ok, c'est un exercice de niveau 6. Et je suis niveau 4. On peut lancer déjà la récupération, mais on n'a même pas commencé. Attendez, laissez-moi décéder avant quand même. Nous avons bien avancé, nous ne devrions pas tarder à trouver un village. Si les monstres que Drago a créés se montraient à proximité du village, ce serait une catastrophe. Nous devons arrêter Drago une bonne fois pour toutes. Passe du voile de nuit. 6 minutes. Il y a 600 mètres à courir. Ou par contre, il y a pas mal de kilocalories brûlées. Je vais décéder. C'est décidé. Je vais décéder. Allez, il va falloir atteindre l'arrivée. C'est bon? Allez, petite foulée. Et cette fois-ci, j'ai bien pensé à mettre mes baskets aux pieds et pas rester en chaussettes. Un marais. Dans l'eau, oh, punaise. Levez les genoux plus haut pour avancer plus vite. Ah, comment on fait pour respirer ça déjà? Ah oui, encore de l'eau. Ah, premiers ennemis. Choisissez une technique pour attaquer. Ah oui, j'ai toujours pas réglé ça, faudrait que j'y pense. Attaque 30. Toute attaque à 30. Allez, on va faire ça. Posture de la chaise. Eh B. Abaissez lentement le tronc. Ça fonctionne pas. Ah si, c'est bon. Penchez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Choisissez une technique. Pression triomphale.
parti. Compressez le Rincon en expirant. Super. Joli. Joli. C'est bien. Bon travail. Vous l'avez eu. Tenez bon. Squat. C'est parti. Faites travailler vos jambes. Abaissez le bassin sans trop avancer les genoux. Il y a beaucoup d'huile, machin. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. Fantastique! C'est mieux! Passons à la vitesse supérieure. Beau travail! Encore trois. C'est bien. Super. Une dernière fois. Joli. Oui. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. C'est pas fini. Choisissez une technique. Pression triomphale. On y va. Ne levez pas le menton. Appuyez plus fort sur le Rincon. Très bien. Très bien. Super. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. Essayez de vous surpasser. Super. Vous avez réussi. Ouais, impressionnant. Le niveau n'est pas terminé. C'est quoi ça? Ça c'est nouveau ça. Ok. Encore 2000 d'XP pour prendre un niveau. Allez, on repart. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah oui, c'est vrai. Ah, ennemi droit devant. Choisissez une technique pour attaquer. Il est tout seul. Ok. Pliez les jambes en expirant. Abaissez le bassin sans trop avancer les genoux. Très bien. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. Putain, il perd rien en vie. On accélère. Bravo. Encore trois. Fantastique. Tenez bon. Une dernière fois. Ok. Bien. Bouclier d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Ça, je pense que je le fais mal, le bouclier d'abdos. Posture de la chaise. Penchez lentement.
Revenez lentement à la position de départ. Travaillez les muscles du bas du corps. Oui! Bouclier d'abdos! Expirez tout en contractant vos abdominaux. C'est pas fini? Choisissez une technique! Pression triomphale! C'est parti! Levez les bras sans cambrer le dos. Appuyez plus fort sur le ring con. Très bien. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. Un peu plus vite. Ouais, c'est ça. Superbe. Aïe, il est toujours pas KO le meuf. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Attention, vous l'avez pas. Allez, on va tester ça, c'est nouveau. Voilà. Vous avez réussi! Impressionnant! Oh punaise, 1000 d'XP. Ça, ça fait plaisir, ça. Allez, on repart. Allez. Superbe. Bravo. Ce n'est pas ce rocher qui va nous arrêter. Et je fais quoi? C'est une belle suée. À présent, convertissez votre entraînement en point d'expérience en prenant la pose de la victoire. Abaissez votre bassin pour charger votre puissance de flexion et étirez votre victoire. Posez votre pouce droit sur la caméra infrarouge comme indiqué. Mesure en cours. Ne retirez pas votre pouce. Oh, je pense que ça va être faussé, ça. La mesure n'a pas pu être effectuée. Posez votre pouce droit sur la caméra infrarouge comme indiqué. Mesure en cours. Ne retirez pas votre pouce. Voilà. Ça, c'est déjà plus crédible. Oui, c'est déjà plus crédible, ça.
Ah, cool. Ça, c'est chouette. Qui dit coffre dit trésor. Ok. Et je fais comment pour l'ouvrir? Ah ok. Des pièces. Alors avant le niveau 7, par contre, de l'eau. Pitié. Allez. Je dois être dans un état derrière là. Oh putain, oh mon Dieu. Oh. Attendez, je regarde. Ouais, je sais pas si ça se voit trop, mais... Ah si, quand même, hein. Ça se voit. C'est rude. En fait, faut vraiment que je pense à... par la suite, à faire ça tous les jours. Parce qu'une fois par semaine, ça sera pas suffisant et je risque de me crever plus, je pense, en vrai. Oh, punaise. Allez. Oh là, il y a un monstre qui fait grrr. Une villageoise qui a peur. Les monstres ne s'aventuraient pourtant jamais par ici, avant. Enfin, si à la base, c'est la région d'origine de Drago, il y avait des monstres avant, les gars. Je suis désolé, mais... Je ne m'attendais pas à croiser des gens dans un endroit comme celui-ci. Tiens, sans blague. Peu importe, mieux vaut d'abord en finir avec ces monstres pour mettre tout le monde hors de danger. 3 minutes. 3 minutes, 400 mètres, 420 mètres. Ok. Il y a une porte devant par contre. Ah, je pense jamais à ouvrir ces coffres quoi. Non! Bon, mais j'aurais raté la pièce d'XP. Ah. Choisissez une technique. Salut Ando. Pression vers le bas. On y va. Compressez le Rincon en expirant. Bien. C'est bien. Génial. Très bien. Comme ça. Potin, on accélère. Excellent. Vous y êtes. Encore quoi? Bien. Bon travail. Une dernière fois. Bien. Impeccable. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Choisissez une technique pour attaquer.
Posture de la chaise. Allez. Ah, ça marche une fois sur deux, ce truc. Allez, je vais pas rester comme ça 50 ans. Penchez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Concentrez-vous sur votre posture. Vous l'avez eu. Continuez à presser. N'oubliez pas de rester hydraté. Squat. C'est parti. Gardez le bassin poussé vers l'arrière. Abaissez le bassin sans trop avancer les genoux. Très bien. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton pouce. Bien joué! Pressez avec les jambes légèrement pliées. Pression triomphale. On y va. Compressez le Rincon en expirant. Appuyez plus fort sur le Rincon. C'est mieux. Bravo. Bravo. Ça a pas l'air ça, bijou. Ah, j'en chie, je te le fais pas dire. Mais ça, c'est les gens qui sont pas sportifs, c'est normal. Quelqu'un de sportif, il en chierait moins. Et encore, je suis en niveau facile, je suis pas en niveau normal ni difficile. Je suis en nage, encore. Allez, la porte. Mince. Bon, c'est pas grave. Oui, bien. Est-ce que tu forces beaucoup? Un peu, ouais. Mais attends, je fais ça. Voilà. Oui, quand même, parce que c'est fait. C'est difficile, hein. Après, c'est fait pour. Et à chaque début de séance, il te demande de forcer au maximum sur le machin pour avoir l'intensité des exercices du jour.
J'ai besoin de fraîcheur là. J'ai l'impression qu'il fait extrêmement chaud. Alors qu'en fait, c'est juste moi qui j'en peux plus. Attendez, Putain. Et encore, vous voyez pas le bas du dos parce que le bas du dos, j'ai mis la ceinture dorsale, sinon j'ai du mal. Mais là, dans le bas du dos, c'est pire. Là. Ah, je passe pas niveau 6. Punaise, j'ai pris un point d'XP sur le lever de genou. Un point d'XP. Ce foutage de gueule. Pardon, mais c'est le petit point d'XP. On te dit, bon, voilà, c'est le bonbon, quoi. Ça me botte de plus en plus. Bah écoute, fais-toi plaisir. Hein. La sudation du dos. Ouais. Ah mais là c'est partout là, j'ai le front, ça se voit pas mais j'ai les lunettes, j'y vois pas grand chose quoi. Enfin j'exagère un peu mais ouais j'ai les lunettes, j'ai des victoires après. Là il reste deux grosses sessions d'exercice. Ah peut-être, en bas. Non non on continue, attends j'ai dit que je faisais un monde. Quitte à décéder, on le fait correctement. Bienvenue, cher client, puisque c'est votre première visite. Je dois d'abord vous inscrire. C'est la salle de jeu, qu'est-ce que c'est ça? Un endroit où on s'entraîne à jouer à un mini-jeu. Tap top. 2 minutes? Bon. Compressez et étirez le Rincon pour frapper des robots sur la tête. Allez, d'accord, si vous voulez. D'accord. Ok. D'accord, j'ai compris. Les dorés valent plus cher. Attention, c'est parti! Bien joué! Compressez le Rincon en expirant. Bel effort! Pressez en vous concentrant sur vos pectoraux. Oh. Oh, au secours. Ah. C'est rigolo, mais c'est dur. Oh, ça c'était rigolo. Ah, ça me fait de l'XP en plus, trop bien. Ah, nouveau titre. J'ai le bras. Je pense que j'ai forcé là par contre parce que ça tire. Allez. Il reste 2 niveaux pour aujourd'hui. Alors, un PNJ qui s'appelle Bichon. Oh, quelle horreur. J'étais tellement absorbé par ma quête d'ingrédients que je me suis retrouvé
ici. Il faut vite que je rentre chez moi. Encore un villageois. 5 minutes. 5 minutes. Ok. Sauver le villageois. Vous avez écrit quoi? Salut Draken. Ça renforce les armes. Ouais, mais oui, mais c'est du sport, c'est du vrai fitness. Hein. C'est du vrai fitness tout ça. Le jeu vidéo n'est qu'une excuse là-dedans. Donc Nintendo, ils ont fait vraiment leur taf. Hein. Chocolatine de mon corps. Pression vers le bas. C'est parti. Penchez-vous en avant et pressez le Rincon. Fantastique. Bravo. Joli. Très bien. Joli. Eve. Abaissez le bassin sans trop avancer les genoux. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. Prends ça ! Bouclier d'abdos ! Continuez à presser. Tenez bon. Pression triomphale. C'est parti. Pliez les poignets pour avoir plus de force. Bouclier d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Posture de la chaise. Eh bien, punaise. Oh, sérieux. Bon. Baissez le bassin sans trop avancer les genoux. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus.
C'est une technique pour attaquer. C'est un Pokémon, ça. Pression vers le bas. C'est parti. Pressez en vous concentrant sur vos pectoraux. C'est bien. Bon travail. Continuez comme ça. Appuyez plus fort sur le Rincon. Très bien. Les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. Passons à la vitesse supérieure. Vous y êtes. Excellent. Une dernière fois. C'est ça. Ok. C'est une technique. Pression triomphale. On y va. Vous devez sentir votre abdomen qui travaille. Appuyez plus fort sur le Rincon. Très bien. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. On accélère. Super. Encore trois. Tenez bon. Oui. Une dernière fois. Bien. Bouclier d'abdos. Pressez avec les jambes légèrement pliées. C'est pas fini. Choisissez une technique. 2 secondes. Je vous lis, je lis pas voix haute, mais je vous lis. Bon, est-ce que ça refonctionne, ça? Parce que bon, je l'aime bien, celle-là, en vrai. Oh, ça me gonfle ce truc. Squat. C'est parti. Gardez les genoux derrière les orteils. Abaissez le bassin sans trop avancer les genoux. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. Un peu plus vite. Superbe. Encore trois. Bon travail. Continuez comme ça. Une dernière fois. Joli. Oui. N'oubliez pas de rester hydraté. Pression vers le bas. On y va. Faites travailler votre buste. Appuyez plus fort sur le Rincon. Bien. C'est mieux. Bravo! Génial! Très bien! Fantastique!
commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. Passons à la vitesse supérieure. Bien. Bon travail. Une dernière fois. Ok. Bien. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Squat. On y va. Faites travailler vos jambes. Excellent. Excellent. Bon travail. Magnifique. Parfait. Joli. Ouais, c'est ça. Vous avez réussi. Impressionnant. Abaissez votre bassin. Étirez-vous. Victoire. Ah, j'ai un titre chat accroupi. Ça me va. Ah. Oh. Ok. Allez. Petite pause de boisson de type eau. Oh punaise. Ah ouais, d'accord. Je suis désolé, ça me fait rigoler, mais je fais un point transpiration. Si vous voulez voir ma tronche, je sais pas si ça va se voir. Non, la tronche, ça va. Par contre, j'ai tout le reste du corps, c'est... Je pourrais retourner à la douche après. Ah oui, ça fonctionne, ouais. Et encore, vous voyez pas le bas du dos parce que j'ai la ceinture lombaire, donc sous la ceinture lombaire, je peux vous dire que la transpiration est encore plus importante, quoi. Samedi dernier, je l'ai fait sans la ceinture pour le bas du dos. J'ai vraiment eu mal. Pour de vrai, j'ai eu mal. Donc là, avec la ceinture, ça va mieux pour le bas du dos. Parce qu'il y a des exercices, comme je l'avais dit samedi dernier, que j'ai pas le droit de faire, en fait. Que je peux pas, enfin, du moins, il vaut mieux pas que je fasse. Et ça, on le reverra dans la phase de récupération. Il y a une chose dans la phase de récupération que je peux pas faire. De toute façon. Donc. Hop là. Allez. Oh punaise, faut être niveau 10 pour le. Oh. Autrefois, je possédais 5 pouvoirs spéciaux. C'est maintenant que tu me le dis. Drago les a volés. Ok.
7 minutes. Ça va être long en vrai parce que Drago il est fort pour de vrai. On va au Dragodrome. 5000 d'XP. Oh punaise. Je triche. Bien. Encore un effort. Il ne reste plus que Drago. Bien joué. Allez, le voilà. Il va encore se moquer de moi. Ah, il a des crabes dans les doigts. Parce que je ne suis pas tout seul. Comme tu vois, je peux tout à fait me passer de ses pouvoirs. Ah, punaise. Oh, vraiment ? Les sbires avec lui. Ça risque de faire très mal. Il faut s'occuper des mains en premier. Choisissez une technique. Allez, ça je connais pas. Torsion de tronc. Oh non, c'est du rythme. Commande répond mal, appuyez sur le bouton plus. Un peu plus vite. Excellent. Continuez comme ça. Encore trois. Tenez bon. Allez-y. Une dernière fois. Oui. Bien. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Bon.
y va. Faites travailler vos jambes. Bien. Joli. Super. Parfait. Joli. Fantastique. Abaissez le bassin sans trop avancer les genoux. C'est mieux. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. On accélère. Joli. Superbe. Une dernière fois. Ok. C'est ça. N'oubliez pas de rester hydraté. Pression triomphale. C'est parti. Ça fait travailler le haut des bras. Appuyez plus fort sur le Rincon. Très bien. Commande répond mal, appuyez sur le bouton plus. Essayez de vous surpasser. Très bien. Bien. Une dernière fois. Bien. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Ce n'est pas fini. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. De tronc. Pivoter. À droite. À gauche. À droite. Pivoter. À gauche. À droite. Ça fait travailler la taille. À gauche. À droite. À gauche. Vous êtes à la moitié. À droite. À gauche. À droite. Encore 10. À droite. À gauche. À droite. À gauche. Encore 5. À gauche. À droite. À gauche. À droite. C'est ça. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Pression vers le bas. C'est parti. Comme si vous portiez quelque chose sous les bras. Bien. Génial. Magnifique. Très bien. Excellent. Bon travail. Formidable. Bravo. Très bien. Super. Passons à la vitesse supérieure. Bon travail. Encore trois. Bien. Bien joué. Une dernière fois. Bien. Oui. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Posture de la chaise. Posture de la chaise. Penchez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Vous l'avez eu. Expirez tout en contractant vos abdominaux. À
Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Squat. On y va. Gardez les genoux derrière les orteils. C'est ça. Super. Magnifique. Continuez comme ça. Ouais, c'est ça. Bravo. On accélère. Bon travail. Encore trois. Ouais, c'est ça. Super. Une dernière fois. Joli. Ça. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Torsion de tronc. Pivoter. À droite, à gauche. Pivoter. À droite, à gauche. Gardez le centre du corps stable. À gauche, à droite. Vous êtes à la moitié. À gauche, à droite. À gauche, encore 10, à gauche, à droite, à gauche, à droite, encore 5, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Bien. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Pression vers le bas. C'est parti. Pressez en contractant vos adducteurs. Au travail. Magnifique. Très bien. Bien joué. Bien. Super. Bravo. Bravo. Bien joué. Bien. Super! Passons à la vitesse supérieure. Bon travail! Excellent! Encore trois. Vous y êtes! C'est bien! Une dernière fois. Ok! Excellent! Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras.
Bon. Il faut s'occuper des mains en premier. Choisissez une technique. Torsion de tronc. Pivoter. À droite. À gauche. À droite. Pivoter. À gauche. À droite. Ça fait travailler la taille. À gauche. À droite. À gauche. Vous êtes à la moitié. À droite, à gauche, à droite, encore 10, à droite, à gauche, à droite, à gauche, encore 5, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Oui! Choisissez une technique pour attaquer. Pression vers le bas. C'est parti! Penchez-vous en avant et pressez le Rincon. Fantastique! Super! Bien! Bien! Super! Bien joué! Continuez comme ça! C'est bien! Super! Bravo! Génial! Joli! Formidable! On accélère! Beau travail! Beau travail! Encore trois! Tenez bon! Ouais, c'est ça! Une dernière fois. Ok. Bien. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. N'oubliez pas de rester hydraté. Posture de la chaise. Penchez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Pointez les genoux et les orteils vers l'avant. Vos mouvements sont un peu trop rapides. C'est ça! Tenez bon! Torsion de tronc. Pivoter. À droite. À gauche. À droite. Pivoter. À gauche. À droite. Gardez le centre du corps stable. À droite. À gauche. Vous êtes à la moitié. À droite. À gauche. À droite. Encore 10. À droite. À gauche. À droite. À gauche. Encore 5. À gauche. À droite, à gauche, à droite. Oui. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Ça continue. Aiguille et coriace, tenez bon. Pression vers le bas. C'est parti. Gardez les genoux légèrement pliés. Fantastique! Joli! Bon travail! Superbe! Excellent! Magnifique! Parfait! Excellent! Bravo! Fantastique! Superbe! Ouais, c'est ça! Bien vu! Un peu plus vite! Ça. Superbe. Encore trois. Bravo. Bien. Une dernière fois. Bien. Impeccable. Ne vous surmenez pas. Faites une pause si nécessaire. Pression triomphale.
y va. Compressez le Rincon en expirant. Bouclier d'abdos. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Bien, maintenant choisissez une technique. Posture de la chaise. Penchez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Cet exercice fait travailler les muscles du tronc. Bien! Choisissez une technique et bonne chance! Torsion de tronc. Pivotez. À droite. À gauche. À droite. Pivotez. À gauche. À droite. Faites des gestes amples pour un effet maximal. À droite. À gauche. Vous êtes à la moitié. À droite. À gauche. À droite. Encore 10. À droite. À gauche. À droite. À gauche. Encore 5. À gauche. À droite. À gauche. À droite. C'est ça. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Ne vous surmenez pas. Faites une pause si nécessaire. On y va. Faites travailler vos jambes. Très bien. Joli. Superbe. Continuez comme ça. Magnifique. Bravo. Beau travail. Parfait. Fantastique. Fantastique. Essayez de vous surpasser. Fantastique. Encore trois. C'est bien. Très bien. Une dernière fois. Joli. Oui. Bouclier d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Posture de la chaise. Penchez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Attention à ne pas forcer. Vous avez réussi! Impressionnant!
abaissez votre bassin. Étirez-vous, vite. Hop là, c'est sûr que s'il n'y avait plus de batterie dans le micro, vous alliez pas m'entendre, les gars. Non mais, à un moment donné, quand vous m'entendez plus ni respirer, ni mourir, ni parler, c'est qu'il n'y a plus de batterie, en fait. Heureusement qu'il y en a un de change. Enfin, je sais pas du tout quand est-ce que ça a coupé. Même quand je suis silencieux, ça s'entend quand même quand le micro est activé. Parce qu'il y a un léger souffle dans le micro. Et heureusement, je m'en rends compte, parce qu'en vrai, je sais pas du tout quand ça a coupé. Donc, ce genre de choses, faut y faire attention. Autant pour moi que pour vous, dans les gens du chat. Si jamais je parle plus du tout, c'est qu'il y a un problème. Allez, donc, je sais plus, voilà. Bon, bref, dans tous les cas, je suis mort. Phase de récup. Thank you.
Allez. Bien, commençons. Vous n'aurez pas besoin depuis le premier trail du boss. Oh là là. Pensez à votre corps et ne vous étirez pas au-delà de vos limites. Étirez le bras gauche sur le côté et tenez-le avec le bras droit. Tirez sur le bras pour étirer les muscles de l'épaule gauche. Même chose de l'autre côté. Étirez-vous lentement, sans forcer. Revenez lentement. Posez les mains sur le bas du dos. Inclinez le haut du corps en arrière pour étirer vos abdos sans forcer. Attention à ne pas forcer l'inclinaison. Revenez lentement. Écartez les jambes, levez les bras et tenez votre poignet gauche. Tirez sur le poignet et inclinez-vous à droite pour étirer votre flanc. Reprenez la position initiale, puis changez de main et de côté. Inclinez-vous sur le côté sans vous pencher vers l'avant. Revenez lentement. Fermez les jambes et détendez-vous. Inclinez-vous en expirant. Une fois. Oh non, pas ça. Ça, je suis désolé, ça, je peux pas trop le faire, ça. Gardez la position encore un instant. Pliez un peu les genoux et redressez-vous progressivement. Pliez le genou gauche et tenez votre cheville derrière vous. Tirez le genou vers l'arrière pour étirer l'avant de la cuisse. Même chose de l'autre côté. Tenez le bout de votre pied pour étirer aussi les muscles du tibia. Revenez lentement. La séance d'étirement est terminée. Yes. Allez, un peu de blabla. J'ai peur de finir avec trop de muscles. C'est la foire à questions du jour. Cela n'arrivera pas facilement. Certains rêvent d'un corps fin et tonique et craignent de se retrouver avec des muscles saillants comme ceux d'un bodybuilder. Si c'est votre cas, ne vous inquiétez plus. Les exercices standards effectués avec un poids léger ne feront pas gonfler vos muscles facilement. Le corps des culturistes est le résultat d'un entraînement draconien et d'une gestion drastique des apports nutritionnels sur une longue période de temps. Nous en avons terminé avec la récupération pour aujourd'hui. N'oubliez pas de charger les batteries de vos manettes Joy-Con et des micros, au passage. Voilà, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Salut Mara, quel est ton taux de souffrance sur l'échelle des mudokons? Alors, je pense que les mudokons, ils ont plus souffert que moi quand même. Donc... Bon, c'était une séance plus longue que prévu parce qu'il a fallu refaire le boss. Donc voilà, prochaine séance la semaine prochaine. Je sais pas vraiment quand en vrai. Parce que la semaine prochaine, je vais pas être très présent en vrai. J'ai des choses à faire. Mais il y aura une séance la semaine prochaine. Et par la suite, y aura encore une séance la semaine d'après. Et ensuite, je vais y réfléchir pour voir si on fait plus de séances dans la semaine ou pas. Parce qu'à la base, ce truc-là, ce Ring Fit Adventure, il est prévu pour faire des séances au quotidien avec un jour de repos. Donc, peut-être qu'en octobre, ça sera beaucoup plus régulier. On va voir. On va voir, on va voir. D'ici là, je ne vais pas restream aujourd'hui. Portez-vous bien. Demain après-midi, il y a Yakipo sur Skulls the Hero Slayer.
Demain soir, il y a Draken sur Spy Fox 2. Et je vous retrouve mardi soir sur du jeu de société. Je sais pas quoi encore. Donc, faudra voir ça. Suivez les réseaux, rejoignez le Discord. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire de plus. Passez une bonne fin de dimanche. Bon courage pour votre semaine qui arrive, tout le monde. Prenez soin de vous. Cordialement. Bisous.